What's going on, YouTubers? Welcome to another French learning session with me. So without further ado, let us get to it. Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Du croissant. Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Un ou deux croissants. Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Du croissant. Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Un ou deux croissants. Croissant. Let's check its IPA symbols. Croissant. So the nasal vowels. Where's the arm? Nasal vowel. Croissant. Clam. Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Un ou deux croissants. Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Deux croissants. Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Un ou deux croissants. Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Un ou deux croissants. Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Deux croissants. Normalement, je termine vers 17h. Quand il fait beau, je rentre à pied. Le soir, je fais un peu le ménage. C'est bien nécessaire. Après, je m'installe dans mon fauteuil préféré et je lis le journal ou je regarde la télé. Je dîne souvent à la maison. Je ne sors pas beaucoup pendant la semaine. Je suis trop fatigué. Je me couche avec un bon roman, mais je m'endors tout de suite. Maman, j'ai besoin de toi pour mes devoirs. J'arrive tout de suite, mon chéri. Maman, j'ai besoin de toi pour mes devoirs. J'arrive tout de suite, mon chéri. Chéri. Maman, j'ai besoin de toi pour mes devoirs. J'arrive tout de suite, mon chéri. Tout de suite. Se coucher. Je ne me couche jamais avant minuit et demi. C'est pour cela que tu es toujours si fatigué. Getting into bed to fall asleep. So they changed the message, you know, the welcoming messages here to. Les vidéos sont des occasions de l'absurde. Les vidéos sont l'occasion d'aborder un thème en contexte. Serez-vous capable de réaliser les exercices à présent? Serez-vous capable de réaliser les exercices à présent? Les vidéos sont l'occasion d'aborder un thème en contexte. Serez-vous capable de réaliser les exercices à présent? Serez-vous capable de réaliser les exercices à présent? Oui. Occasion. The opportunity. L'occasion. Occasion.
Moi, le matin, je reste longtemps dans la salle de bain. Je prends un bain, je me maquille, je me coiffe, tout ça. Et les deux pointées son temps pour s'en préparer. Elle adore prendre son temps pour se préparer. Préparer. Elle adore prendre son temps pour se 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 préparer. She loves taking her time to get ready. Mon petit déjeuner. Alors, c'est des œufs, du pain, du jambon, du fromage, de la confiture. Mange beaucoup le matin. He eats a lot in the morning. Je n'ai pas de voiture et il n'y a pas de métro près de chez moi. Heureusement, j'adore le vélo. Pour moi, c'est une très bonne solution. So a side note here, I pretty much memorized how to spell the word in order to fill in the blanks of this exercise. In order to fill in the that blank of this exercise correctly. So, so I pretty much memorized that. I memorized how to spell that word. So, yeah. Je n'ai pas de voiture. Et il n'y a pas de métro près de chez moi. Heureusement, j'adore le vélo. Pour moi, c'est une très bonne solution. So, il est très compté dans la ville. Je n'ai pas de voiture. Et il n'y a pas de métro près de chez moi. Heureusement, j'adore le vélo. Pour moi, c'est une très bonne solution. Allez. So this one is. She is very happy to go to the office by bicycle. Elle est très contente d'aller au bureau à vélo. Elle est très contente d'aller au bureau à vélo. Elle est très contente d'aller au bureau à vélo. Elle est très contente d'aller au bureau à vélo. Elle est très contente d'aller à où peut-on à vélo. Let's see. Lundi soir, je vais au cinéma. Mercredi, je vais dîner au restaurant et vendredi soir, je vais à la discothèque avec des amis. Lundi soir, je vais au cinéma. Mercredi, je vais dîner au restaurant et vendredi soir, je vais à la discothèque avec des amis. Lundi soir, je vais au cinéma. Mercredi, je vais dîner au restaurant et vendredi soir, je vais à la discothèque avec des amis. S'habiller. Il fait très froid aujourd'hui. Il faut s'habiller chaudement. Il fait
fait très froid aujourd'hui. Il faut s'habiller chaudement. Il fait très froid aujourd'hui. Il faut s'habiller chaudement. Il fait très froid aujourd'hui. Il faut s'habiller chaudement. Regardez la télé. Mes enfants ne regardent pas beaucoup la télé. Ils préfèrent l'ordinateur. Ils préfèrent l'ordinateur. Debout. Il n'y a plus de place assise dans le bus. On va rester debout. Debout, so it contains a schwa sound. Debout, debout. Souvent. Nous allons souvent déjeuner chez mes parents le dimanche midi. Nous allons souvent déjeuner chez mon parent le dimanche midi. Se coucher. Se coucher. Vers. 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 Consonant. Not exact. It's not exactly the same as the R sound in English. So, yeah, do take note. Je ne peux pas dire exactement à quelle heure j'arrive. Vers 17h, probablement. Vers 17h, probablement. Journal. Journal. Sortir. 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 Okay. Pendant la période des examens, les étudiants ne sortent pas beaucoup. Pendant la période des examens, les étudiants ne sortent pas beaucoup. Boire. Boire, to drink. Lire. Lire, to read. Pendant les vacances, j'aime lire des romans policiers. 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 Let's read this one. So the S here remains silent. Pendant les vacances, j'aime lire des romans policiers. Pendant. Oups. Pendant. Soir. 9h. 9h. S'installer. Prendre le bus, le train. Midi. Longtemps. À pied. I beg your pardon for my lousy internet connection here.
Faire le ménage. Terminé. Tout de suite. Se lever. S'endormir. Se doucher. Manger. Parfois. Rentrer. Rentrer. Mon mari ne rentre jamais à la maison avant 21h. Mon mari ne rentre jamais à la maison avant 21h. Mon mari ne rentre jamais à la maison avant 21h. Mon mari ne rentre, revient jamais à la maison avant 21h. Mon mari ne rentre, revient jamais à la maison avant 21h. Tôt. Les adolescents détestent se lever tôt. Teenagers hate getting up early, Semaine. Aléa. Arrivé. Collègue. Dîner. Tu te lèves à quelle heure le matin? 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 Et tu prends un bain? Qu'est-ce que tu bois au petit déjeuner? Du thé? Du café? Comment vas-tu au bureau? En métro? Et à midi, tu déjeunes où? En général, tu finis à quelle heure? Ton mari rentre à la maison avant ou après toi? Et il fait aussi la cuisine.
À quelle heure se couchent vos enfants? 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 Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez la télé? Moi, le matin, je reste longtemps dans la salle de bain. Je prends un bain, je me maquille, je me coiffe, tout ça. Lundi soir, je vais au cinéma. Mercredi, je vais dîner au restaurant et vendredi soir, je vais à la discothèque avec des amis. Le matin, je me lève tôt. Se lever. Je ne reste pas longtemps dans la salle de bain. Je me douche et je m'habille rapidement. Se doucher. Rapidement. Puis, je mange un croissant et je bois un café. Boire. Debout. Debout. Et debout dans la cuisine. Je prends le bus pour aller... Prendre le bus, le train. Comment vas-tu à ton travail? À pied? Non, je prends le bus. Comment vas-tu à ton travail? À pied? Non, je prends le bus. Comment vas-tu à ton travail? À pied? Non, je prends le bus. Et au bureau, et en général, j'arrive avant 9h. À midi, je vais parfois dans un petit restaurant avec des collègues. Allez à... Je vais à la piscine tous les lundis soirs. Tu vas à la piscine tous les lundis soirs. Je vais à la piscine tous les lundis soirs. Je vais à la piscine tous les lundis soirs. I go to the swimming pool every Monday evening. Je vais à la piscine tous les lundis soirs. Je vais à la piscine tous les lundis soirs. Je vais à la piscine tous les lundis soirs. Collègues, ou alors, si on a beaucoup de travail, on mange un sandwich devant notre ordinateur. Normalement, je termine vers 17h. À pied. À pied. I walk. Je vous raccompagne? Non merci, j'habite tout près. Je rentre à pied. Non merci, j'habite tout près. Je rentre à pied. Je vous raccompagne? Non merci, j'habite tout près. Je rentre à pied. Non merci. J'habite tout près. Je rentre à pied. Je vous raccompagne? Non merci, j'habite tout près. Je rentre à pied. À pied. Quand il fait beau, je rentre à pied.
Le soir, je fais un peu le ménage. Soir. Le soir. Ménage. C'est bien nécessaire. Après, je m'installe dans mon fauteuil préféré et je lis le journal. Lire. Lire. Oui, t'as peur de la télé. Journal où je regarde la télé. Je dîne souvent à la maison. Je ne sors. Dîner. Souvent. Je ne dors pas beaucoup pendant la semaine, je suis trop fatigué. Je me couche avec un bon roman, mais je m'endors. Se coucher. Je m'endors tout de suite. Tu te lèves à quelle heure le matin? Tu te lèves à quelle heure le matin? What time do you get up in the evening? Lucky guess. Et tu prends un bain? Qu'est-ce que tu bois au petit déjeuner? Du thé? Du café? Comment vas-tu au bureau? En métro? Comment vas-tu au bureau? En métro? Et à midi, tu déjeunes où? Et à midi, tu déjeunes où? En général, tu finis à quelle heure? En général, tu finis à quelle heure? In general, what time do you finish work? Just try to guess. Fini. An adjective. Ton mari rentre à la maison avant ou après toi? Rentrer. Et il fait aussi la cuisine? Et il fait aussi la cuisine. À quelle heure se couchent vos enfants? Se coucher. Se coucher. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez la télé? Freezing.